Non, pour aller. Non, quelques minutes. Commencer ensemble avec le programme. Nous allons mettre le programme dans le live. Sur Facebook. Nous pas mettre nous à genoux pour un coup de prière. Éternel, Papa, nous qui sommes dans le ciel, gloire, honneur, louange, exaltation à vous-même qui chita sous trône. Nous vous merci de ce que vous permet que nous sommes capables de passer la journée en bien. Nous demandons, Papa, tant prie, au capable avec nous, assiste-nous. Prends contrôle programme nan, permet que tout ça qui va dire, tout ça qui va faire pour la gloire de ton Saint-Nom. Et permet que, Seigneur, tout ça que nous tendons dans le programme, nan, c'est bagay qui capable aider nous, bagay qui capable, tant pis, papa, aider nous, vivre yon vie meilleure, yon vie côté que, qui agréable dans nos yeux. Et permet que tout ça que nous va attendre nous va partager avec l'autre monde. Merci papa pour ce fait et ça continuer fait pour nous. Nous va prier parce que nous bonni nous dignes, mais nous prions dans précieux nom Jésus-Christ sauve nous. À lui même gloire honneur, louange, exaltation pour toute l'éternité. Amen. Amen. Nous prions checker board là pour que nous assurer nous que frère Ricardo est là. OK, nous pouvons voir frère Ricardo branche. OK. Ah, nous est sur Sophie là donc. Sœur Sophie, vous mettez petit au sous-mute, nous saluer ou dans pression. Bonsoir sœur Elisabeth et bonsoir à nous toutes. Nous sommes contents pour que nous soyons capables là pour nous avancer dans le programme de prière là. Nous remarquons que nous presque arrivés dans le dernier moment, mais nous connaissons que nous avons privé à coup sûr grâce à Dieu. Nous, avant que nous commencions, je mets mes genoux pour passer en prière silencieuse. Amen. Pour nous commencer, nous chanter ensemble dans le numéro 459. Venez captifs, cherchez la délivrance. Numéro 459. Venez captifs, cherchez la délivrance auprès de Christ, notre Sauveur. Vos fers brisés montreront sa puissance. Vous affranchir, c'est son bonheur. Pauvres, venez épuiser la richesse dans les trésors du Dieu Sauveur. Après les jours où régnait la détresse, vous jouirez du vrai bonheur. Venez puissants, apprenez de ce maître à devenir des serviteurs. Effacez-vous, laissez le seul paraître et grandir seul dans tous les cœurs.
Venez buveurs, recevoir de sa grâce votre pardon et votre paix. Il est étroit le sentier qu'il vous trace, mais tout bordé de ses bienfaits. Venez vaincus, racontez votre histoire. Oh, à toujours victorieux. Cherchez en lui chaque jour la victoire. Il vous promet du haut des cieux. Amen. Nous avons invité nous à mettre nous à genoux pour que nous soyons capables de prier. Mettez-nous à genoux pour nous prier. Notre bon et admirable Père des cieux, au nom de Jésus, nous approchons devant avec sentiment de l'unité. Nous venons pour nous recevoir de vous-même secours, réconfort et aussi la perfection du caractère. Aidez-nous, Seigneur, pour que tout mauvais sentiment soit capable de bannir de nous et nous va gagner les sentiments qui étaient dans Jésus. Nous reconnaître que sans vous, nous ne pouvons pas faire rien du tout. Sans vous, même si nous connaissons bien, nous connaissons mal, mais nous sommes incapables pour nous rejeter mal et accepter le bien. Le pouvoir est de faire le bien, il est venu de nous-mêmes. Aidez-nous, Père, pour que nous ne quittions pas nous, aller tête baissée dans un mauvais chemin, mais nous va quitter nous guider par vous-même. Et nous connaissons que vous-même vous menez nous au bon port. Nous remettons au moment ça que nous pouvons passer. Que Père ou grâce ou capable de reposer sur chacun de nous. Et prédisposer nous pour que nous capables de gagner un moment qui est agréable. Et surtout, déverser sur nous déjà ton Saint-Esprit afin que lui-même, il va permettre que tout va passer pour gloire et pour honneur, quand on nous connaît que les objectifs pour chaque petit monde, nous, tout le monde qui observe au grand plan pour eux, eh bien, que le plan est capable de réaliser dans le moment ça pour chacun de nous. Nous comptons sur vous, pardonnez péché nous, iniquité nous, et faites-nous jouir de présence. Nous prions dans le nom de Jésus, et même qu'il ne peut pas prier de maintenant et à jamais. Amen. Nous connaissons que partie ça il y a un côté qui réservé un coin de santé. Eh bien nous pour aller passer à partie santé hein? Mais d'abord avant que nous fassions, nous avons que nous chantons avec moi dans le numéro 499. Mon cœur tressaille à ta voix, bon sauveur, conduis mes pas, etc. Numéro 499. Mon cœur tressaille à ta voix, bon sauveur, conduis mes pas. Je suis ta divine loi, en m'appuyant sur ton bras. Guide, ô Sauveur, tous mes pas en ces bas lieux, jusqu'au jour ta faveur, enfin m'ouvrira les yeux. Seul, je ne puis avancer. Je vois l'abîme et j'ai peur. Tremblant, mon pied peut glisser sous l'œil d'un monde moqueur. Guide, ô Sauveur, tous mes pas en ces bas lieux. Jusqu'au
ta faveur, enfin m'ouvrira les cieux. Mon refuge, c'est toi seul. Si débordant le mal vient, couvrir tout de son linceul, à toi mon âme appartient. Guide, ô Sauveur, tous mes pas en ces bas lieux, jusqu'au jour ta faveur enfin m'ouvrira les cieux. À travers la sombre nuit, les dangers, les grandes eaux, ton amour seul me conduit vers le glorieux repos. Guide, ô Sauveur, tous mes pas en ces bas lieux, jusqu'au jour où ta faveur enfin m'ouvrira les cieux. Amen. Donc, c'est ça que nous avons demandé, bon Dieu, pour que lui capable guider nous dans sous terre ça. Un monde moqueur, nous vivons dans un monde qui est moqueur, côté que péché a li partout, la prégné partout. Donc, nous besoin guide, bon Dieu, nous besoin intervention. Li. Nous besoin intervention li parce que nous allons parler d'un sujet qu'on. Yon émotion, émotion qui négative et nous voit le impact que le gain sur nous-mêmes et nous toutes à moins que bon et on a déjà atteint la perfection qui et même quand même yon fois et bien nous éprouver sentiment ça alors moi-même bah non yon fois non non plusieurs fois même parce que et, c'est l'eau pas il pense c'est le pas plusieurs mois. Donc maintenant une fois donc c'est effort que nous avons fait pour que ça pas et emporter nous hier frère Cadou t'ai parlé de lui-même et je dis à nous pour montrer nous lien qui gagne émotion ça et santé nous c'est bien la colère et nous habitués avec lui nous quand ouais monde qui mettait en colère même si monde petit même si et bébé hein il qu'on mettait en colère puisque il pas capable d'exprimer des fois c'est pas en colère que tu exprimes parce qu'il pas capable et il qu'on mettait en colère grand monde mettait en colère donc la colère elle vient monnaie courante nous toutes nous connaît nous au moins une fois dans vie nous passons par une colère nous laissons nous emporter par la colère donc colère là et qui ça que lui fait? Non, non seulement alors il agit sur comportement. Un monde qui est en colère, d'abord premièrement, il y a un monde qui est en colère ou après que et expression visage lui, mon en venir l'aide. Il gagne en laidissement parce que tout trait visage lui montré parce que il pas rien sourire aux lèvres. Il y a un monde qui est en colère ou après ça. Parce que dans le visage, ou après ça, sourcils foncés, et ou en tout cas, ou pas ou calme. Ou pas ou calme dans le visage mounan, ou en mounan, même si tu es belle mounan, on ne peut plus, le mounan fâché, il est en colère. Et bon, après mounan, il est bouche li longue, et sourcils foncés, et il y a même douceur, il y a une vine rouge. Donc, mounan, il vient transformer. Et qui ça que ka fait encore, il fait mon avenir sauvage. Parce que il provoquer ça au réveil du tigre. Donc mons qui était dans mon nan, il réveille et mon ça venir sauvage.
et on peut montrer ça la mica menacer les agressifs et les quand même arriver violents. Donc monan l'homme monan colère est capable vin même arriver faire violence. Me songe j'étais con un camarade de classe moi, elle était qu'on a dit pour alors pour nuit nous même mesdames les qu'on dit la jalousie rend l'homme méchant et la femme sadique. Donc en tout cas qu'au fille que garçon violence en cas fort agressif capable faire sans pas imaginer ce qu'a fait ça monde pas imaginer que tu capable faire parce que violence là rend nous agressif violence là tout bon on sort d'aveuglement parce que il faut perdre lucidité on pas connait si nous vivions un monde qui vraiment en colère monde vraiment en colère monde énervé. Et bien, après, mon n'a pas de lucidité. Mon âme dit ça, le pas de dire, la fait ça, pas ça, le pas de faire. Donc, mon n'a pas une capacité pour le et pour comprendre quoi que ce soit. Donc, mon qui est en colère ou pas qu'a fait le raison. Colère là, il chasse raison. Donc, partie raisonnement, mon n'a pas gagné ça du tout pas. Donc, si vous avez besoin de raisonner, c'est pas parce que c'est pas pour dans la colère. Donc, le il calme, il ou a fait le raison. Mais, depuis mon année en colère, il chasse la raison. Parce qu'il fait idée, il confuse. Et comme si mon n'a pas ouais clair. Il pas comprendre, il pas comprendre, il pas ouais clair. Même ça qui paraît visible, il pas capable ouais ça. Et généralement, lorsque mon en colère, il mettait plus parce que ça gagne. Situation met paraît calme. Mais depuis mon en colère, il aggrave la situation. Il aggrave et puis il pense que il y a assez force pour résoudre le problème là. Alors mon en colère, l'a dit, l'a fait n'importe qui bagarre. Et colère là tout ce que il pour il fait également et il fait que comme si on vienne pas sociable. En tout cas, pas gagne monde qui prend qui apprend vivre avec monde qui colère. Des fois mon colérique pour ta retirer mariage dans l'agenda. Même si tout le monde fait, moi-même, fais mes yeux sous lui. Même si mon ami, fais mes yeux sous lui parce qu'on a un monde qui est colérique, qui est fâché, mais il a un problème de socialisation. On n'a pas de sociable parce que la présence de son nuisance que liée pour tout le monde. Il va gagner, il va gagner des relations de qualité. Et c'est peut-être ça, mon qui colérique, qu'on même arrivé à des relations mon sao, relations amoureuses, qu'on est tombé en échec. Et la colère, lui engendre la haine. Il y a un monde qui est en colère, qui est colérique, eh bien, lui engendre la haine. La haine. Ah, ça, c'est mon bail qui pitié du tout pas, mais moi, je fais face avec des mon qui colérique, déjà moi-même. Son bagage qui est vraiment critique. On connaît un monde est tellement colérique si tant qu'il a li wè ciel là, il t'a demandé qui couleur ciel là ou t'a dit le ciel est bleu et selon lui-même le ciel est rouge ou t'a osé dire le ciel là bleu, il a dit oh, ou est ciel là bleu depuis fin de ça c'est à tout dit les bien OK. Et Jean ou là c'est ça lié, Jean ou elle lié à ça. Soit on discute avec lui, on dit non, si là est bleu, il est là, si là est rouge, il est bon, bah, elle a viré. On ne peut pas faire le raison du tout pas. Donc, les gens qui sont colériques, ont des gens qui sont autoritaires. Ils ne peuvent pas aimer perdre la bataille. Ils ne peuvent pas jamais accepter que ils sont coupables ou bien que tu es mal agi. Donc, les colériques, c'est les gens qui ont des problèmes. Donc, c'est comme ça que la colère là, il envahit nous. Donc lorsque nous en colère, c'est ça lié. On peut-être ça l'esprit de prophétie dit nous comme ça. Lorsque on dit mon font bail qui mal pas caler lui sous le coup de la colère parce que quand même tu es Timon. Pas j'aime sous-estimer colère et peut-être ça on monde pour sentir en colère et ah pas jouer avec ça. Parce qu'on fait n'importe qui bagaille qui a fait que obligé dans gros contravention et avec monde et avec bon Dieu. Donc lorsque nous sentons en colère, pas bay réponse, pas frapper, pas taper ti moun yo tout,
et prend le recul. Nous allons voir ça, nous allons voir quelques conseils pour que nous soyons capables de lutter contre la colère. La colère, elle a plusieurs maladies. Alors, avant que je m'explique ça, je crois que quand on a une famille, et colérique. Les colériques, mais comme ça, tout le monde a une ulcère d'estomac, puisque nous connaissons que ça au marché. Ils ont une ulcère d'estomac, les machines dans tout l'hôpital, ils n'ont pas une solution. Et qui j'en colérique là, ils ne peuvent pas manger qui pas. Alors, ils ne peuvent pas manger qui pas bien, bien cuit à cause de l'estomac qui est fragile, l'estomac est comme un bébé. S'ils arrivent sous table là, ils ont du ria, et grain du ria, ça paraît campé king. Ça seulement fait le mettre en colère, qu'a craser, voyer assez là en côté, l'énerver. Et même on ça, il a travaillé en côté, on le, et une employé, ok, il a dit non bagaille, il pas fini tout content net. On a tellement fâché, c'est l'hôpital humain, parce que il prend en crise. Fâché, fâché, oui. C'est l'hôpital qui courait aller avec lui, tellement fâché. Tellement fâché. Et même crise ça, pendant la conduite machine, pendant la conduite machine, monsieur, ça manquait de faire accident. Oh, les colériques, on peut plus. Colérique, colérique. Donc, lorsque on va connaître, si nous sommes habitués à vivre avec un qui est colérique, on a une chance ça. C'est mon ou pas, il doit dire rien, ou pas, il doit piler. Bon, en tout cas, c'est pas mon. C'est un qui est colérique sont épreuves. Donc, si vous arrivez à vivre avec un monde qui est colérique, on est que ou prêt pour la crise finale. Parce que le monde, ça n'est pas facile à vivre. Même nous, quand on fait des crises de colère, eh bien, on nous évite ça. Qu'est-ce qu'il fait? Généralement, lorsque nous mettons nous en colère, il affecte étroit-nous, particulièrement étroit-nous avec l'estomac. Donc, un monde qui remet mettre en colère, comme si fréquence là, comme si on a toujours aimé mettre en colère. Chaque jour et chaque heure, il y a un rendez-vous avec colère. Donc, chaque seconde, il faut qu'il passe ses mains pour colère, eh bien, Mounsa, il voit un problème, et particulièrement dans le tronc, avec l'estomac. Mais Mounsa, tout capable, il y a un trouble digestif, Mounsa, il voit un adrénaline qui est toujours à la hausse, il voit la même réaction avec stress, adrénaline, nous songeons. Donc, ça ne t'est pas. Hier, eh bien, lorsque on moun ki mette la colère, eh bien, adrénaline a monté, et il va avoir la même réaction avec, même ça qui passe. Lorsqu'on moun stressé, eh bien, corps a subi même choc ça. Et qui ça que li fait encore, en plus de ça, même calcul biliaire, li capable bail, problème dans vesicule biliaire, li bail hernie et même asthme. Donc, il compte bien asthme, il peut engendrer asthme et douleur aussi au bas du dos. Donc si tout en mettant en couleur, après que souvent, on a des douleurs dans le dos, dans la partie en bas. Il y a une maladie cardiovasculaire. Donc, on connaît problème cardiaque et accident vasculaire cérébral, AVC. Donc, on connaît un qui fait stroke. Il y a des gens après en colère. On a tout fait stroke et puis ouais bon on a paralysé donc son colère que lui fait et puis bon on a paralysé parce que bon hier nous t'y ouais un peu qui ça qui vivait et lui ben ulcère j'aimerais tout là mon nom qu'on a qui collait que là le gon seul ulcère tout côté le passé il va jamais une solution mais meilleur remède que utiliser sans effet parce que les games, à vrai dire, on connaît deux mondes qui colériques dans le niveau ça. Et monsieur ça, il est vraiment tellement colérique que pas une solution à problème ulcère. L'eau si qu'on monte dans la bouche, il est presque perdu tout dedans. Tellement il y a un problème. Donc, c'est un bagage qui est triste, c'est un bagage qui est vraiment triste. Donc nous-mêmes, nous, lorsque nous mettons nous en colère, nous luttons contre ça qui c'est le temple du Saint-Esprit. Il affecte l'équilibre émotionnel, non. Ah oui, il affecte, c'est peut-être ça, le monde qui est colérique, il n'y a pas qu'à vivre avec le monde. Donc nous-mêmes, lorsque nous mettons nous en colère,
et bien n'a chassé moun bon côté nous, n'a déséquilibré émotionnellement. Li capable aussi amener à développer anxiété. Donc a bien anxiété et non mesure qui plus intense encore, il est capable conduire moun à replier sur lui-même et aussi à même arriver gain dépression. Donc la colère, nous colère la ka fè moun nan wap moun nan replié sou li menm, li pa bay moun règle rien pou li, li replié sou li menm, li pa en contact avec l'autre parce que li gon handicap, li gon handicap émotionnellement, li pa équilibré et puis li quand même rivé à en dépression malheureusement. Et colère là, li pa kon fèt seulement contre l'autre moun, mais le compte fait également contre mon en colère contre tête pas et moi connais des gens qui tellement colérique que même avec objet yo gain compte même avec objet yo gain compte et bon il faudra expliquer mieux en personnage qui était Bola Kaili mais doit ou elle retendant la parler et pourtant c'est avec un objet la parler qui s'arrivait et doit gon tasse dans main li. On tasse qui vient peut-être qu'on te la donne et puis soit même ta secoué li manke tombe etc. Oh tasse là a joine ta petite tasse tem pas faut jeter là si on jeter à tasse là parlé tellement fâché s'il va jeter son chaise à ta fond branné là oh chaise a joine chaise entravé faut jeter ma si on jeter donc mon des fois ouais colère là qu'on fait que nous perdons lucidité, nous perdons du bon sens. Des fois, si, imaginez-nous si là, nous mettons en colère comme ça, on monte pour filmer nous, après, lorsque nous avons regardé, j'en ai été, n'a pas gêné, n'a pas honte. On a dit, wow, ça que tu es pour mon petit bagage, ça, là. Eh bien, c'est colère-là. Colère-là fait que nous perdons du contrôle, nous perdons du bon sens, nous, même si mon cas, que mon bail qui va marcher avec nous. Même si mon cas fait nous la raison parce que nous perdons tout bon sens nous parce que nous mettons nous en colère. En colère là, il agit sur corps nous, il rend nous malade, il capable ba nous palpitation et même arrêt cardiaque. Il y a des monde lorsque au fin mettez en colère, il y a dormi, il tout mouri. Prête sa Bible là dit nous, somme là dit nous, pas quitter soleil là baisser, pas dormir sous colère nous parce que corps nous tellement en réaction que à tout moment que a ca bloqué. Si que nous pas retrouver paix lorsque nous demandons pardon c'est paix heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné lorsque la paix faite nous demandons pardon nous jeûnons pardon et bien quand nous retrouver équilibre là les venir retrouver normalité et ça pourra permettre que lorsque nous dormons nous capable réveiller nous sentir nous bien etc. Mais si nous dormons sous colère nous et bien quand nous déjà en situation d'urgence, eh bien, nous sommes capables de passer de l'autre côté à n'importe quel moment. Donc, il y a des gens qui sont en colère tout le temps contre eux-mêmes, ils détestent, ils sont toujours condamnés. Donc, tout ça, ils ne sont pas bon à mettre en colère contre eux. Eh bien, tout ça, yo, mes amis, c'est reposer que vous donc, la colère, c'est facile. Il est facile pour mettre en colère. Nous-mêmes qui parlons, c'est un pile effort pour pas mettre en colère. Quand dit Timouna en bagaille, on dit Timouna et on dirait que Timouna c'est exprès le fait la provoquer. On dirait que Timouna levé matin, il dit mes amis, qu'est-ce que m'da fait pour m'da provoquer maman, m'da fait mettre en colère. Après Timouna, on a l'impression que Timouna réfléchit, il fait un plan habilement conçu et pour que il capable provoquer mettre en colère. Donc des fois on peut imaginer ça. Donc en nous apprendre à gain maîtrise de nous-mêmes. Ça c'est assez exercice qui pas trop facile mais que nous devons quand même faire parce que homme qui colérique pas calme dans ciel. Nous te voyons exemple Moïse qui mettait en colère et puis bon, ça seulement t'est manqué, on va dire ça seulement ça puisque tout péché c'est péché. Elle manquait entrer dans ciel si li pas confesser péché. Donc colère là fait nous dire n'importe qui bail tout. Il fait nous dire
tes sottises. Il fait nous dire ça nous pas d'adouer dit. Et après ça nous va dire waouh, oui ça me t'ai dit ça. Et bien c'est colère là. Colère là mes amis, il met nous dans toutes conditions pour nous faire mal. Si la meilleure façon pour nous faire mal, c'est mettre nous en colère. Lorsque nous mettons nous en colère, nous sommes capables de faire tout bagaille net, tout bagaille, tout ce que nous devons faire, à tuer, depuis que nous mettons nous en colère. Ça pouvait. Et nous avons deux degrés de colère. Nous avons crasé, brisé lorsque nous mettons en colère. Donc, colère là, ou pas une maîtrise de nous-mêmes. Ou dit tout bagaille, ou fait n'importe quoi. Donc, colère là, mettez-nous hors de nous-mêmes, les faits. Que nous pas monde qui sociable, nous pas capable être bon monde encore parce que colère là rend nous laid, il rend nous animal, il réveille tigre là et dans nous-mêmes. Et comment que nous capable remporter en fait? Comment capable et qui sont capable faire pour nous et pour nous diminuer colère là ou bien aider nous avec colère? D'abord, gain la contemplation de la croix. Il est avantageux pour nous passer une heure dans la contemplation de la croix parce que Jésus n'a jamais donné nos exemples de colère. Jésus n'a jamais donné nos exemples de colère, même lorsque le tape chassé vendeur devant le temple, Jésus n'a pas mis en colère et il n'a pas mis en colère dans le sens que sous ta entrée en dans Jésus après tout organe en branle ou est sans pas circuler sans épais ou est cœur à battre fort, etc. Donc, c'est un type d'indignation, mais Jésus va laisser pour nous exemple de colère. Donc, si nous suivons Jésus, si nous contemplons Jésus, et bien, nous arrivons à sembler à lui-même et nous ne pas mettre nous en colère. Donc, lorsque nous prenons du temps pour nous contempler Jésus, matin, à souhait, tout au long de la journée, nous avons gardé à Jésus et bien, nous avons remporté la victoire sur la colère. Qui ça que nous capable faire tout mais si c'est des bagages que nous ressenti qui frustrant qui dur et ben nous capable écrire sous papier nous capable mettre sous papier et pour prendre un peu de recul pour prendre un peu de recul et puis retourner sur ça plus tard parce que ouais lorsque on réagit au même moment elle pas toujours porter solution meilleur moment pour résoudre un problème c'est pas prendre un météo en colère. C'est pas avant d'en faire chaud ou battre, j'aime bien dire, mais pas toutes les fois, non. Parce qu'il y a des fois, nous, quand on fait ça, on ne peut pas le faire. Donc, lorsque vous sentez en colère, eh bien, faites un peu de recul. Pas essayer de résoudre rien pendant en colère, parce que, dépendamment du niveau de colère, là, vous ne pouvez pas résoudre rien. Qui soit capable de faire tout, capable de respirer profondément. Il y a un monde qui est choquant. Qui est choquant. Et vous sentez que vous sentez que colère là et l'importe là la frapper eh bien qui ça vous fait c'est respirer profondément parce que ça aide à calmer et respiration oxygène qui rentre dans vous même là il va aider vous à calmer un peu et une bagaille qui calme tout qui calme colère c'est connexion avec la nature. Je ne connais pas si nous faisons expérience ça, mais moi-même, depuis que je suis venu en province, je ne connais pas de ça, même pour comprendre vraiment. Les gens qui sont en province, qui vivent à la campagne, ils ne savent pas mettre en colère facilement. C'est vrai, généralement, ils sont calmes. Je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas tant de bruit, ils n'ont pas tant de bruit qui fait calme. Mais en réalité, ça, il calme dans tout, et bruit bête seulement, etc. Mais la nature lui-même calme, et mounio le fait mounio pas mettre en colère. Donc, il y a un monde qui est colérique, et bien, c'est un monde qui va passer quelques temps dans la nature pour que il soit capable de calmer. Fait des exercices de respiration, et puis, mettez-le dans la nature, fait un peu d'exercice, bien, moun ça, la fois que lui, commencer à porter victoire sur les affaires colère. Donc, si effectivement nous te suivons le modèle et Christ là, bon, tu vas te mettre à Adam et Eve dans la ville, tu te mettre dans la nature.
Et c'est nature là qui favorise nous-mêmes. Donc, lorsque nous trouvons nous hors de la nature, corps là, les révoltés, corps là, déséquilibré. Depuis que nous hors de la nature, nous avons un déséquilibre quand même. Et déséquilibre là, il est sous forme homme qui colérique. Donc, il est déséquilibré émotionnellement. Donc, pour retrouver équilibre ça, mais c'est placer mon âme dans la nature. Elle fait mon âme prier. Parce que dans la nature ou en contact avec Dieu plus facilement, tout bagaille fait que vous pensez à bon Dieu et le fait que vous pensez à bon Dieu, les temps sont calmants que liés, sont tranquillisants que liés, les permettent que vous capable d'être calme. Donc la nature, être en contact avec la nature, c'est un moyen rapide pour capable diminuer colère. Et aussi pour maintenir une relation avec les autres, eh bien on excuse. Si après, vous finissez mettre en colère, ou te dit ça pas de dire, ou te fait ça pas de faire, eh bien, ça qui est meilleur pour faire là, c'est à l'excuser. Et bon, malheureusement, excuse avec colère pas marcher. Parce que de fois, on est colérique, il n'y a pas premièrement dit pardon. Mais pour que nous soyons capables de remporter la victoire sur en colère, eh bien, il faut que nous apprenions à demander, excusez nous. Si nous te dit ça pas ça, si nous te fait ça pas ça, eh bien allez nous demander pardon pour que nous capables joindre pardon. Et qui te dit nous pardon son traitement que lié. Un traitement efficace. Pardon. L'or pardonner et le tout ou joindre pardon, eh bien son traitement que lié, son thérapie que lié. Ou joindre bonheur, ou joindre paix. Bible dit heureux. Donc heureux mon cœur content mon parce que après fin péché après fin fond bail qui mal ou mande pardon le fait seulement que ou mande pardon même lorsque mon pour dire en rien non ou mande pardon seulement on est en sens de délivrer donc l'offre ou face en monde ou mande le pardon c'est déjà début traitement contre colère là donc lorsque fin je ne pardon et bien ou fait l'autre étape. Mais pas pour plaisir à mettre en colère, pensant que vous gagnez et comme choix de bataille, excuse. Donc, on nous prend ça comme on nous accepte lorsque nous faisons un monde qui mal pour que nous demandions le pardon. Voilà, c'est ça. Donc, je dis à nous pas nous parler de colère. Nous-mêmes qui faisons expérience colère, on nous contempler Jésus encore plus. On nous pas essayer résoudre rien pendant que nous mettons en colère, ni taper, ni bay réponse pendant nous en colère, on prend du recul et on nous respirer profondément, on nous reconnecter avec la nature et on nous apprendre excuser nous pour que nous capables gagner une vie qui normale, qui tranquille, pour que nous gagnions une vie qui tranquille. Que bon Dieu capable bénir nous. Et que Père grâce, mon Dieu, capable de reposer sur chacun de nous. Avant que nous passions en ligne là avec Frère Ricardo, nous avons chanté dans le numéro 486 et nous demandons à Frère Ricardo pour le prédisposer pour prendre parole. Des paroles de charme pleines bouillonnent dans mon cœur. Devant tes grâces souveraines, je m'incline, ô Seigneur. Tout pour le roi, de jour en jour, combat de foi, œuvre d'amour. Combat de foi, œuvre d'amour. Tout pour le roi, tout pour le roi. Vaillant guerrier, saint ton épée, sois vainqueur pour toujours. Ta droite d'exploit signalée sera notre recours. Tout pour le roi, de jour en jour, combat de foi. Œuvre d'amour, combat de foi, œuvre d'amour, tout pour le roi, tout pour le roi.
vérité, douceur et justice règnent autour de toi. À tous, tu veux être propice, je t'adore, mon roi. Tout pour le roi, de jour en jour, combat de foi, œuvre d'amour. Combat de foi, œuvre d'amour. Tout pour le roi, tout pour le roi. Amen. Que bon Dieu capable aider nous dans combat ça, combat contre colère, et que nous va laisser nous dominer par la douceur et aussi habiller nous par la justice de Christ. Amen. Demandez à Frère Ricardo pour que l'est capable de continuer. Nous attendons rien, non? Bonsoir tout le monde. Nous souhaitons bon Dieu qu'a béni. Non, merci, c'est Elisabeth. C'est sauvé de minuit, mais pas sur Zoom. Donc, moi, je dis bon Dieu merci parce que ça nous passe une très bonne journée. Et que aujourd'hui, à là, nous capables ensemble, sur ligne, ça, pour nous continuer le travail que nous commençons déjà. Nous souhaitons nous passer un très bon moment ensemble. Et nous disons merci à mon Dieu pour tout conseil que les banons à soi, par Sœur Sophie. Et que conseil ça est capable d'aider nous pour nous mener une vie qui est meilleure. Ne pas recevoir bien, Frère Ricardo. Oh, pas tant de bien. Konya, nous tendons. Allô? Nous tendons, Konya, Frère. Ah, OK. OK, d'accord. Nous avons considéré Galates chapitre 5, verset 22. Mais à Soya, version française là-bas, m'a pris le problème parce que le concept que nous avons considéré, il n'est pas pareil de Jean-Paul de traduire, mais m'a fait non qu'on ait j'en ai traduit en anglais. Et puis, vous avez considéré. Parce que nous avons gardé dans le fruit de l'esprit, il y a un nom qui n'est pas traduit, Jean-Paul de traduire vraiment. Galates chapitre 5. Verset 22, nous considérons ensemble. Galates, chapitre 5, verset 22. Alors, plus d'une fois, oui, nous avons un problème de traduction. Dans le second, surtout, il y a des concepts que nous avons développé, mais nous pas qu'à joindre en français, j'en quel paraît. En Galates 5, verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Eh bien, il y a une, la bonté, parce que bienveillance signifie sentiment de bonté, et il y a là la bonté qui paraît deux fois en français. Et pourtant, en anglais, il y a une lanceau, une bonté, bienveillance, c'est de qui bonté, mais ça, les bontés, il traduit par gentillesse, à savoir kindness or gentleness. Soit gentleness or kindness. Donc, c'est traduction anglaise-là qui, non, fruit de l'esprit, ça. Donc, la gentillesse ou encore la courtoisie ou encore l'amabilité, l'affabilité. Donc, c'est une fruit de l'esprit que nous joignons à travers la parole du Seigneur. Nous, à ce moment-là, nous voulons parler de gentillesse ou encore de kindness, un monde qui gagne amabilité, à courtoisie, un monde qui est très gentil.
Et nous allons parler de ça parce que c'est un fruit de l'esprit que l'on a aussi. Nous allons mettre à genoux pour nous prédisposer, nous, pour nous considérer le dernier fruit esprit ça, que nous pouvons aborder dans le programme de prière. Notre Seigneur et notre Dieu, à travers les mérites de Jésus, nous venons devant. Nous sommes capables de remercier vous grandement pour la journée sa cure banon. Merci pour le quatrième jour, ça pour certains. Parce que nous avons habitué nous avec la vie de l'Éden. Merci parce que vous assistez nous et que vous conduisez nous pendant ces quatre jours écolés. On va t'en prie fortifier tout le monde qui a fait bel essai ça. On va bailler aux forces, bailler aux courage. Et pour que vous soyez capable de résister et que vous connaissez que demain, si Dieu veut, c'est déjà le cinquième jour. Donc la grande majorité est déjà écoulée aujourd'hui. Et que quoi, il y a vraiment un bon entraînement qui est bon pour lui à la fin. On va prendre place parmi nous et que vous soyez capable d'aider, nous voulons comprendre la parole que vous avez pour nous en soi. Et que parole, ça va aider nous pour nous venir de meilleurs chrétiens chaque jour. Bénis toute équipe là. Tout le monde qui branche, yo, et même ça qui n'est pas branché à soi pour difficulté. Nous connaissons que nous toutes, famille, nous allons avoir de grandes bénédictions qui pourraient aider nous à passer de très bons moments. Nous sommes censés apporter notre dernier jour dans l'année 2020, selon le calendrier civil là. On va vous aider pour que à partir du moment 2021, ça va commencer par être devant nous, pour que nous capables de songer, nous faire des engagements ensemble avec vous, pour nous mener une vie qui est meilleure, pour ne pas parler même gens encore, pour ne pas agir même gens encore, pour nous gagner une meilleure attitude en tant que chrétiens, puisque nous n'avons pas qu'à arrêter même gens chaque année. Il faut que nous progressions pour nous capables d'améliorer, même gens japonais au Dili, amélioration continue. Donc, c'est le nous mourir pour nous suspendre faire effort. Pour ne pas jamais accepter tête nous dans le niveau que nous y est. Et pour ne pas forcer l'autre monde à accepter nous, je nous y est. Pour ne pas dire c'est comme ça nous y est, c'est comme ça maman, nous, papa, nous. Pour ne pas avoir qu'une fierté, avec un défaut de caractère qui ternit l'image nous en tant que paix. Pour faire nos grâces, pour contrôler l'ignorant, pour contrôler la vie, nous toutes. C'est fait que nous sommes capables de venir des chrétiens qui sont vraiment gentils, des chrétiens qui comptoient. Et qui est capable de gagner beaucoup plus d'âmes à la vérité par notre courtoise. C'est le cri de notre cœur. Nous te prions et nous réclamons cette grâce, avec l'assurance que tu nous écoutes. Car nous te prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Comme nous t'ai annoncé, nous avons parlé aux deux. La gentillesse ou encore la courtoisie, on t'avait dit encore l'amabilité. Dans Genèse, chapitre 40, verset 14, la parole de Dieu rapportez-nous. Il y a une déclaration intéressante. Genèse chapitre 40, verset 34, verset 14, excusez-moi. 40, verset 14, nous dit. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Donc, nous allons parler de bonté là, mais en réalité, c'est kindness, c'est gentillesse. Que bon Dieu, que Joseph demandait à chef des échansons pour ne pas oublier lui, pour lui parler de lui-même à Pharaon. Parce que il dit, au changer que mon effort du bien, on va parler de moi auprès de Pharaon. Donc, que m'étais usé de bonté envers vous, ou encore de gentillesse, que m'étais gentil ensemble avec vous. En fait, c'est des éléments contingents. Et au proche, oui.
Je ne dis ouais, la bonté, c'est le fait de faire du bien. Et toujours disposé à faire bien avec moi, etc. Mais la gentillesse, les mêmes, les plans, l'autre dimension, c'est ça, les courtois. Ça nous est le respect de la personne humaine. Traiter tout le monde avec beaucoup de tendresse. C'est le mot tendresse. Donc, pour que nous ne fassions pas le lien à travers ce prophétie, pour nous pas des chrétiens qui ont des langages qui rush, qui sont toujours un monde qui rude, qui n'a pas de sensibilité. Donc, à ce moment-là, nous, des fois, capables d'adresser une parole qui fait mon souffrir, on lui fait faire cœur au contrat. Donc, il est très important, et surtout dans le milieu de la famille, pour nous faire un peu attention, parce que l'homme remet, l'homme et la femme, manger les deux. L'homme dit, l'homme, c'est grand H, tout être humain, remettre des paroles de gentillesse, et pas seulement des paroles de reproche, parce que très souvent, on reproche que nous, on fond là-dedans, yo. Et des paroles de gentillesse, d'appréciation, non, bah, il y a très peu. Et il rapporte que quand il y a un monde qui mourit, et quand il y a une femme qui mourit, c'est parce que bah, j'ai des paroles de gentillesse. Alors que les filles mourent, c'est là, ça a belle parole à dire, mais malheureusement, on ne peut pas attendre encore. Donc, tu vois, dans un jour, on ne peut pas mesurer l'effet de bonne parole. Alors, dans un âme spirituel, tu vois qu'il est important que nous capables de prononcer de bonnes paroles, puisque paroles sont capables de faire de bons effets dans la vie monde. Et nous appelons l'autre texte encore, c'est dans Ruth, chapitre 2, verset 2, qui allait toujours dans le même sens. À question gentillesse, là, nous regardons Ruth, c'est une femme qui était très, très gentille, et gentillesse était vraiment récompense. C'est très, très courtois. Une dame, Moabite, mais qui était vraiment spéciale. Dans Ruth, chapitre 2, verset 2, il dit, Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Donc là, ouais, expression grâce là, donc c'est expression ça qui est plus utilisée dans l'Ancien Testament. Là, on dit, une femme, elle a une grâce. Donc c'est que les gentils, les vraiment, il y a un monde qui attire le monde. Parce que la grâce, son qualité est extraordinaire chez une femme en particulier. Donc dans l'Ancien Testament, c'est une expression ça a été utilisée. Un monde qui a de bonnes grâces, de bonnes manières, qui a une capacité pour attirer le monde. Et regardez pour elle, des serviteurs de Dieu, ils étaient très, très intéressés avec ça. Et lorsque les serviteurs Abraham et Eliezer venaient pour choisir femme pour Isaac, à savoir Rebecca, elle était basée sur les bonnes manières. Elle dit jeune fille qui vit, ni qui offre une gloire, et qui offre un chameau mieux tôt. Hein? Donc, c'est bonne manière. C'est la gentillesse, les sauve en pile le monde. Et ça te fait Rebecca, tu es capable de venir. Donc, son qualité est importante parce que c'est lui-même qui prend le base, c'est lui-même qui prend le base choix et qui prend le fait de Rebecca une femme de la promesse parce que par lui-même, le Messie prend le venir. Il en est de même de Ruth. Nous voyons que son dame, qui est après le frappé, il est fort. Et il y a un gars dans Ruth, chapitre 2, verset 10. Il dit encore, il dit non. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Et écoutez la réponse de Boaz. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant, etc. Alors, c'est ça. Donc, l'homme gentil, on va pas attirer gentil, à savoir, lorsqu'on est aimable au courtois, et bien, on va pas tirer ces choses à eux-mêmes. Eh bien, nous sommes heureux de faire belle déclaration à Naomi, de dire, soit va venir à Massato,
souvent l'homme va manger m'a mangé Dieu l'a Dieu moi etc parce que je te dis le pape détaché il te dit seulement la mort pour détacher de vous-même. C'était vraiment une parole très très encourageante pour Naomi parce que je te rendu compte que il censé pas gagner pour l'offrir route. Il est vieux, il va pas enfanter encore, bon, entre parenthèses. Mais là, on dit le papa va donner seulement la mort qui pouvait se séparer de lui-même. Et attachement avec dame, ça, tu vas le faire, une belle récompense. Et il y a un message que je t'ai dit, que bon Dieu est capable de choisir ça qui est positif, parce que lui, on est contre dame, la veuve, il va le pour contre lui. Il choisit vite avec pour ne pas abandonner Naomi. Et on connaît récompense pour être là, il est vraiment extraordinaire. Non seulement je nomme mon riche qui m'amène Boaz, mais c'est de Ruth, le Messie va descendre de Ruth. Parce que Boaz va avoir naissance je crois que c'est Obed, Obed va avoir naissance à Isaïe, Isaïe va avoir naissance à David, et de David, nous connaissons le Messie, il va le passer. C'est dans la famille de David que le Messie a vu le jour à Bethléem, etc. Alors, je vais toujours poser question, parce que tu as deux familles, deux héritiers, deux mondes qui étaient capables d'héritier et famille Naomi. Eh bien, c'était Boaz avec un lot. Mais on a réfléchi à Orpa. Orpa, c'était petite lot, c'était madame lot petite Naomi, hein, qui était choisie de retourner lui-même à Moab. Retourner à Moab au lieu que l'aller avec Naomi. Alors, son insistance Naomi, il est censé retourner. Mais si Orpa t'a fait même là avec Ruth, certainement l'autre l'a été adopté. Donc, on comprend que Orpa a raté son destin. Il peut le retourner à Moab. Et puis, bon, probablement, le retourner dans l'idolâtrie. Et la gentillesse de Naomi, son attachement à sa belle-mère, il a été richement récompensé. Parce que les prêts jeunes, ils ont un monde qui est riche, qui est remanié. Et de lui-même aussi, le Messie prêts jeunes. Alors, nous comprenons que c'est important, c'est une qualité à cultiver en tant que serviteur, en tant que servante de Dieu. Donc, dernier élément, ça n'a pas considéré dans le fruit de l'esprit, il est vraiment important. Et nous voyons que dans 1 Samuel chapitre 15, verset 6, Samuel chapitre 15, verset 6. Alors, la difficulté me vient, c'est parce que je n'ai pas qu'à jouer un texte en français, en traduction, donc c'est surtout la version anglaise qui m'a un mot que j'ai besoin justement. Parce que sinon, m'a troublé parce que je n'ai pas qu'à jouer un texte gentillesse, parce que je confonds tout en français. Je parle de bonté et bienveillance alors que c'est même bagaille. Et pourtant, en anglais, il y a l'autre fruit de l'esprit, que c'est la courtoisie, encore la gentillesse, encore l'amabilité. Donc, c'est ça que ça m'oblige. Moi, j'ai anglais et français devant, moi, je cherche l'équivalent pour nous-mêmes et en français. On a 1 Samuel, chapitre 15, verset 6. Beaucoup trois, il y a même les répétés, ils ont seul, non, je n'y. Il ne va pas paraître du tout dans le second. Alors que non, je n'y en anglais, alors que dans King James, là, nous j'en ai en anglais. Madame Balba, c'est dans 1 Pierre 3, verset 8. On va parler de ça. Et là, on fait une contexte Samuel, là. Samuel 15, verset 6. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Et là encore, nous voyons bonté, ça a un sens, encore gentillesse, que mon saïoté fait preuve de bonté et de gentillesse envers les Israélites dans le moment ça. Non.
gagné dans le Nouveau Testament. Qui utilisait encore la bonté, mais c'est surtout encore la gentillesse pour capable mener nous à la repentance. Romains 2, verset 4. Et dans Romains 3, verset 12, qui parlait de ça encore. Mais en nous prenant Pierre 3, verset 8 là. Pierre 3, verset 8. Pierre 3, verset 8. Pierre, chapitre 3, verset 8. Et ça que je dis, nous, on dit que enfin, soyez tous animés des mêmes sentiments, des mêmes pensées, des mêmes sentiments pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Alors que l'embrun traduction comme besoin en bas nos exhortations bien dans 1 Pierre 3 verset 8 et ça il dit finally be of all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous. Like en français, elle dit, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Et alors que pour humilité, elle va l'utiliser vraiment. Donc c'est ça qui est bah, ce problème. Moi, ça n'a pas traduit dans le second. Bah, on est à une époque, ça aussi. En tout cas, en cet instant, on a dit l'expression la grâce pour exprimer sa nouvelle les bonnes manières, monde qui est aimable, monde qui est affable. En anglais, dans la traduction anglaise, elle dit be courteous, c'est-à-dire soyez courtois. Donc, gentlemen, donc, on chrétien ou si vous êtes un gentleman, ça veut dire qu'il faut qu'on soit monde qui ait une bonne manière ou courtois. Et bien, ça capable de permettre tout, ou plus efficace dans le travail. Et dans le ministère évangélique, l'Esprit de prophétie parlait de verset, ça, 1 Pierre 3, verset 8 là. Il expliquait que c'est quelque chose que, vraiment, ça m'a avec nous, nous avons besoin véritablement pour nos cas de travail. La courtoisie, en sous-titre, qui est basé sur ça même dans le ministère évangélique, il dit ça, dans page 177. Il dit ceux qui travaillent pour le Christ, doivent être intègres et dignes de confiance, fermes comme le roc sur les principes, mais en même temps aimables et courtois. Aimables et courtois. C'est important, pendant que nous travaillons pour Jésus, nous avons besoin d'être capables de fermer sur les principes, en tout temps. Mais en même temps, c'est ça, comment combiner la fermeté sur les principes et en même temps l'amabilité, la fabilité. Donc, en même temps, nous supposons aimables et courtois. Il dit, la courtoisie est une des grâces du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est une fruit de l'Esprit. C'est ça que fait l'homme, pas je n'ai pas package là, mais je vais chercher lui en anglais dans la traduction. Donc, moi, c'est gentleness là, c'est lui-même qui se rapprochait de courtoisie. Donc, la courtoisie ou la gentillesse, donc, c'est l'une des grâces du Saint-Esprit. Donc, s'occuper de l'âme de son semblable, c'est la plus grande œuvre qui puisse être confiée à un homme. Et celui qui voudra trouver le chemin des cœurs doit prendre garde à cette injonction. Soyez plein de compassion, de courtoisie. L'amour fera ce que les arguments sont impuissants à faire. Mais un moment de vivacité, une réponse bourrue, un manque de politesse et de courtoisie chrétienne, de quelques détails peuvent faire perdre l'influence qu'on avait sur ses amis ainsi que les amis eux-mêmes. Un moment de vivacité, une réponse bourrue, un manque de politesse et de courtoisie chrétienne,
dans quelques détails, peuvent faire perdre l'influence qu'on avait sur ses amis, ainsi que les amis eux-mêmes. Un manque de politesse. Donc, on est les monovini l'église. Non, même expression visage, non, important pour nous. Quelqu'un ne doit pas tourner l'église, elle dit, ah, c'est deux sœurs, moi, l'église, dans la visage, je suis toujours mauvais, donc on ne peut pas comprendre, je ne suis pas attrayant du tout. Et puis, ça suffit, en raison suffisante pour moi, ne pas retourner l'église encore. On a vu l'église là, le parrain, mes protocoles d'accueil là, les bien vagues, nous pas recevoir les avec chaleur, nous on tient en vague sous les, mais ça suffit pour le jour, pas pour tourner encore. Bon, peut-être qu'il y en a nous qui a dit, bon, ça c'est lui-même, il est venu la ville, il est venu la ville. Mais non, en tant que chrétien, il faut nous un comportement qui gagne, il faut nous attirer. Bon. L'entrée dans le supermarché, dans le business, mon Dieu, je l'ai acheté, ah, non seulement il y a une bonne parole. Non seulement yon bon gentil, yon bon tendresse, yon rend nous confortable pour pas avoir quitté magasin. Tellement yon fait promotion pour ça, pour acheter pour Dieu. Mais là, on vient tout, mes amis. Il faut nous faire promotion pour l'évangile là tout. Parce qu'en pile fois, nous pas gagner monde, c'est parce que comportement nous manque gentillesse. Mais nous manque gentil. Par exemple, je me sens, j'ai gagné en zone que je travaille dans la mission. Et puis, mais c'est on sait on plusieurs sœurs qui vendent nos magasins. Qui vendent nos magasins. Mais et puis tout le temps ma salle en fait volontairement en tant que missionnaire oui dans nos zones, je te pas même en Haïti et puis chaque fois me passer me saluer. Bon, moi me pas connaître. Qui pour me répondre qui lui pas répondre, ça pas intéressé, moi juste fait devoir moi me saluer. Chaque fois me passer, good morning. Yo gade mwen, mon verre, de la radio, hein. Si m'ba ten après-midi, good evening, pa occupé. Bon, yo te, boutique sa te sensé en face, kote n'de kon adore, kon fè kud la. Eh bien, mwen persiste nan salutation, persiste. Ma kon essaye sou 10e fois, ou soit sur 11e fois, hein, sur 12e fois, pas qu'on est sur combien de fois. Mais bon, le me dit bonjour ou bonsoir, et puis moi, je souris, je réponds moi. Ah, je suis vraiment content. Par contre, qui va détourner, moi, il faut m'accepter. Alors, malheureusement, je n'ai pas fait plus de temps. Même des gens passé une fois dans la boutique là, je dis, oh, bon, c'est missionnaire, je travaille avec eux. Si des gens prédisposés, je te dis, bon, il y a manqué temps seulement. Mais ils étaient vraiment venus changer nos comportements. Ça, t'as attiré l'attention. Et puis, il y a des fois, même moi, quand on a une réunion avec Frère Axel, l'église, et puis, de quoi, moi, merde, c'est quoi? Comme si, ouais, moi, il faut s'allumer. Il a fini par accepter que, il n'y a qu'à offrir ma midi. Alors, expérience, malheureusement, pas fini. Il dit, mais faut me dire, non, là, nous arrivons dans un champ missionnaire en tant que chrétien, faut que nous soyons capables. Faites attention, parce que c'est des marques de courtoisie, esprit de service, où ils veulent voir mon job font bagaille, ou comment aider, ou aider. Donc, ce sont des marques, ce sont des traits très, très positifs qui attirent mon homme. Ça a bon influence tout ce monde. Donc, il est vrai, nous sommes très, très jeunes, mais ces qualités, c'est des qualités à développer. Parce que c'est ça qui a bon influence. Leur montrer qu'on a une courtoisie. Alors, pas oublier, non, on ne peut pas sacrifier le principe. Côtoisie, pas vle, dit pour aller manger, non manger mounio, n'importe comment, aller manger viande, aller l'enfer. Non, c'est pas ça, côtoisie. Côtoisie, c'est une manière qui n'a pas montré qu'on est un monde qui est inabordable. Non seulement on a salutation, c'est pas parce que moun n'a pas répondu pour pas dire encore, ou du moins, soit moun n'a été mauvais sur eux, donc on décide. Donc la côtoisie, la gentillesse, l'amabilité, c'est des qualités qu'en tant que chrétien, nous avons besoin vraiment, vraiment cultiver. Donc, là, nous faisons ça, ça permet que nous sommes capables de gagner plus de monde à Jésus. Ce que le Christ était sur la terre, le chrétien doit s'efforcer de l'être. Jésus est notre modèle, non seulement dans sa pureté immaculée, mais dans sa patience, son amabilité, son enjouement. Donc, Jésus était quelqu'un d'enjoué, c'est-à-dire son monde qui gagne de bonne humeur. Donc, on a des monde qui n'est pas facile, qui a des problèmes pour te aller, pour aller, ou là, ou un problème dans la tête, ou qui a basculé, ou non. En tant que chrétien, il faut nous pas jamais perdre l'humeur nous parce que nous avons un problème. Parce que nous faisons ça, eh bien, nous montrer que nous n'avons pas gagné douceur Christ là dans nous-mêmes véritablement.
Nous avons besoin pour être capable. Jésus est notre modèle, mais Jésus était quelqu'un qui avait de l'amabilité. C'est-à-dire Jésus qu'on fatigué, mais Timon veut monter sur Christ-là. Et des fois, nous fatigué. Ah, Timon, je vais être avec nous sur le côté. Nous corrigons, donc ça, c'est quand même un manque de gentillesse. Nous un peu trop rude, nous trop dur. Nous mastoc à ce moment-là. Et Timon, le gouvernement vient nous, le plus aller à l'anticoin, parce que nous voyons l'aide à attraper. Donc, en tant que chrétien, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, il faut que nous affables. Et Timon, nous devons prendre plaisir, leur vie de bon côté. Nous ne pouvons pas venir au visage court, c'est un monde qui va le chasser autant qu'au mouche. Donc, il faut que nous évitions de faire ça. Mais il faut que nous soyons capables de gagner amabilité pour nous attirer, Timon, nous attirer mon avec nous. Il y a mon présence, notre pour sentir bien. Il dit, sa vie est un exemple de la vraie courtoisie. La vie de Jésus est un exemple de la vraie courtoisie. Il avait toujours un regard aimable et une parole de réconfort pour les malheureux et les opprimés. Il avait toujours un regard aimable. Aïe, le regard qui attire les gens. Montrez mon nom que ou bien souci pour lui. Ou t'en aimé bien pour lui. Le regard a dit tout ça. Une parole de réconfort. Là, on exprime que le gain problème, comment on est capable d'aider, le réconforter dans sa lière. Donc, il faut capable, en tant que serviteur de Dieu, il y a un monde qui d'appoint, c'est-à-dire dans circonstances, dans nos situations, aux jeunes qui parlent pour dire, pour capable réconforter le monde, remonter le moral au monde, parce que c'est ça, la grâce. Un monde qui gagne grâce, soulève-le, et au capable d'aider le monde, pour ne pas mettre fin à la vie, pour ne pas comprendre que la vie n'est pas rien, etc. Au capable de valoriser, pour que le monde n'a pas de valeur encore. Donc ça, c'est des qualités à cultiver. Donc comme nous dit, ils sont grâce de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui fait mon conseil, hein, pas bien. Il avait toujours un regard aimable et une parole de réconfort pour les malheureux et les opprimés. Sa présence dans un foyer rendait l'atmosphère plus saine. Sa vie était comme un levain parmi les hommes. Pur et sans tâche, il marchait au milieu d'individus sans égard les uns pour les autres. Grossier, discourtois, au milieu des publicains injustes, des samaritains iniques, des soldats païens, des paysans sans finesse et d'une multitude mêlée. Il disait ici et là une parole de sympathie. Il voyait les hommes fatigués, contraints à porter de lourds fardeaux, et il en prenait alors sa part. Il répétait les leçons qu'il avait apprises de la nature et qui disent l'amour et la bonté de Dieu. Il cherchait à communiquer l'espérance aux plus rudes et aux plus ingrats, les assurant que leur caractère pouvait se transformer au point de rendre évidente leur qualité d'enfant de Dieu. C'est extrêmement important pour que nous soyons capables de gagner la grâce dans sur nos lèvres, pour nous capables des chrétiens qui courtois, des chrétiens qui aimables. Il continue de vous dire dans le chapitre 3, la religion de Jésus adoucit tout ce qui dans le caractère est rude et grossier. La religion de Jésus adoucit tout ce qui dans le caractère est rude et grossier. Elle affine tout ce qui dans les manières est rustre et déplacé. Donc la religion de Jésus va détruire les liens pour le faire. Rudesse, c'est de tes réponses brusques, tes réponses qui partent. Qui manque gentillesse, qui manque sagesse, mes réponses ça, yo, fait attitude, yo blessé moun. Yo blessé moun, yo fait souffrir. Yo fait souffrir dans la foi, yo fait souffrir à l'église. Et il faut nous éviter ce genre de choses. Parce que c'est vraiment décourageant, le monde attend une parole. Parce que pas oublier, dans tout homme, il y a un besoin de gentillesse. Parce que Jésus, elle t'a passé par des moments difficiles, elle souhaitait pour décider de faire preuve de sympathie, voilà. Sympathie, de courtoisie, montrer qu'elle apprécie, que ça l'a fait, elle comprend ni tout. Mais malheureusement, des fois, Jésus n'a pas de ça. Ça te fait souffrir un peu. Jusqu'à ce que c'est Ange Gabriel qui désigne pour le montrer. Il m'a encouragé à mourir, parce que elle fait mourir, mais ça ne fait rien, etc., etc. Mais Jésus n'a pas de jeune, il y a un encouragement dans les disciples. Donc, des fois, les noirs travaillent pour mon Dieu, dans l'église, aux prédicateurs, mes amis, par exemple, ces paroles de courtoisie, au contraire, c'est toujours reproche qu'à bien dire seulement. Ça, on dit, un décourage. Et moi-même, le ministre, elle a toujours dit,
pour mon yo faire attention là au plus envie critiquer pasteur yo critiquer ouvrier mais au pas bah aucun petit parole d'encouragement félicitation pour effort yo pour ça faire pour aller au de qualité au gagner qui ça est capable faire pour venir de meilleurs outils là mon Dieu et aussi encourager les au fond bon bagage féliciter yo parce que félicitation avant tout c'est éviter la flatterie c'est la flatterie qui est un péché mais encourager au monde qui a fait effort c'est très très bien parce que et ça encourager les pour aller de l'avant la religion de Jésus il y a douze Simon qui leur gain rudesse dans caractère les retirer ça ça fait leur les reconnecter à Jésus les raffiner sauter en matière brute donc Jésus vient fort puis raffiner vient adoucir donc les manières aussi qui déplacer parce qu'on connaît ces chrétiens pour faire bah, n'importe comment donc il y a les bonnes manières il y a les bonnes manières pour nous capables prendre ça est très important parce que c'est parce que dans l'église pour nous comprendre que et nous va gagner que on soeur par exemple pas là un jeune qui va comment il va l'intérêt là vous dit ma soeur qu'on est sacré moi je pas connait on va prier sur ça et puis prochainement on va faire me connaître ça qui passé et on pas grand pile temps non donc dégageons mes amis va me dire nous bien faut nous très très prudent parce que il y a qu'à comme ça garçon quand dans l'église il comprend que sans qu'un gentillesse sans qu'un courtoisie et puis il y a que dit vous ça le prier même les gars ça rêve pas déjà donc ça pas le choix c'est obligé parce que c'est confirmé mes amis pas parce que nous sommes que deux minutes on a prié et puis tout rêve nous fait là faut que les réaliser nous ouais frère dans rêve là et puis c'est fini au moins ouais frère dans rêve là c'est pas grand qu'une volonté encore rêve là fini c'est fini mes amis écoutez le don de prophétie bon Dieu ben elle mais nous pas prophétie à pas retirer et que mon nom de vibrer mes amis faut qu'elle vibre et pour qu'elle vibre faut le temps des bonnes paroles. Et ça fait, messieurs, nous avons un rôle à jouer pour nous capables de gagner le cœur. Donc, je parle aux jeunes, donc, monde qui marie, tout la même chose. Donc, ce qui signifie que le fait que nous, chrétiens, nous fermons ce principe, ça va retirer les bonnes gestes parce que c'est qui fait nous vibrer. Et ça fait nous vibrer, c'est la courtoisie, c'est la gentillesse, et la stabilité. Là, on a une bonne attention, on sent que les gens ont parlé avant, thème vocal, on sent que on vivre. Donc, ça est important, en pile, et surtout, les gens qui ont vécu difficile, donc, parole, ça est vraiment encourageant, yo fait force, yo aider les gens pour capable lever, pour sentir bien. Par exemple, il y a une femme, les maris ont entré, pour capable encourager les, non seulement ça, ou bien t'en courir là, ou balan pis l'attention, etc. Ou pas lavel, ou mandel comment j'en atteye. Et puis, ou dit, ou senti un peu fatigué, les besoins reposés. Et pour pas, ou préparer, pour attirer notre pour recevoir les. Donc, ces gestes-là ne sont pas déplacés. C'est pas parce que, ça va vous dire, on fait qui chaud, l'on fait. Parce que l'homme remet ça en pile. Et bien que monsieur les mesdames ont fait ça, ça va vous dire pour nous passer vitesse supérieure, pour nous parler dans l'autre dossier, ça, des fois contentons de petits simples gestes, ça, parce que mesdames n'ont pas pris mes faire gestion, si vous avez gestes ça, toujours mené à l'autre dossier, il ne doit pas vous arriver là. C'est ça que des fois, il faut contenter eux, donc si 7 marques de courtoisie, ils ont 5 gentillesses, et puis restez là. Vous voulez aller trop loin, et bien ça, vous ne pouvez pas vous faire encore. Mais il est vraiment important, mes amis. On se sent bien, on vive. On se sent très, très bien lorsque on n'a plus l'attention. Bah, je vais me dire, Simon, les montrer, j'en ai au courrier, vino, attention que au bas haut. Mais ça vient de faire qu'on sent, Simon, on les comprendre vraiment que ça y est pour lui, ou important, on est bon, puis l'attention. Donc ça, moi, par exemple, ça, on est capable de bien comprendre les questions courtoisie. Donc, le contraire de la courtoisie, au capable, c'est l'indifférence totale. C'est une forme de fait rudesse. Et on a tout ça le fait, pas jamais bon, c'est ce qu'on fait bagaille qui pas bon. Critique. Alors que tout ça le fait qui bon, par exemple, venons coup de félicitation, remarque d'appréciation, etc. Bon, et puis, courtoisie à tout, il commande des fois à tout pour nous reconnaître une série de. Fait de belles gestes, par exemple, offrir des petits présents au monde, que vous aimez, etc., au monde qui vous apprécie, des présents, donc ça, c'est des marques. Des fois, c'est très, très simple, très, très simple, mais quand même qui grand.
Donc, on va rentrer dans le cas là, ou qu'on m'a dit, moi, mais ça, moi, je te le poulet. Et puis, on dit, bon, j'ai pensé à toi, je te l'apporte. C'est simple. Il doit son morceau canne à sucre. C'est madame lui-même, il n'y a pas morceau canne poulet, je connais qu'elle a compté. Donc, on fait des fois, en pile fort, m'acheter un canne poulet. Et puis, il me dit, ah, j'ai pensé à toi, je te l'apporte. Petit geste, mais qui est très significatif parce que peut-être dans un moment, il était vraiment en vie, on l'a toujours aimé, mais surtout, il ne doit pas joindre les côtés liés et puis l'emporter le poulet, il sentait bien. Bref, nous comprenons l'idée, la courtoisie, la gentillesse, c'est des qualités que nous devons rechercher. Il dit que la religion de Jésus rend le langage aimant et le maintien attrayant. Ouais. Donc, on ne peut pas servir mon Dieu pour pas un maintien qui est attrayant, c'est-à-dire jonglier, il faut attirer mon arôme. Langage de aimant, vraiment courtois, hein, courtois, c'est-à-dire empreint de respect, d'amour, d'affection, et les paroles qui sortent dans la bouche, tout, c'est des paroles qui sont mesurées, qui font du bien avec mon, qui font du bien à mon. Il dit, apprenons du Christ comment on peut allier un sens élevé de la pureté et de l'intégrité à un caractère enjoué. Donc, ouais, moi, ça, il paraît souvent devant nous là, en bas nos sens propres. Donc, enjoué veut dire joyeux, vous voyez, joyeux, et un peu, en fait, nous t'a dit, et une traduction qui est un peu plus banale, qui t'a dit que son bail est un peu plaisant, un caractère enjoué, c'est dans le sens un peu plaisant. Mais c'est pas la mauvaise plaisanterie, non, s'il vous plaît, c'est pas ça. Plaisant dans le sens que son monde qui joyeux, en fait, bon, enfin, jovial, un caractère enjoué, on faut jovial. Un monde qui. On dit toujours walk. Donc, c'est au principe où il y a seulement, donc, à faire courtoisie, le petit sourire. Donc, ça, ok, nous comprenons. Et puis, il va l'ajouter pour le dire, nous, là. Dernière phrase, là, il dit, un chrétien aimable et courtois est l'argument le plus puissant qui puisse être fourni en faveur du christianisme. Donc, l'aime d'abra, les noms sont côté, l'aime d'abra, la bouille, l'aime d'abra, l'âme des besoins venus, même. Un paragraphe là. Un chrétien aimable et courtois est l'argument le plus puissant qui puisse être fourni en faveur du christianisme. En plus, voilà, plein de dire nos chrétiens. L'amabilité, la courtoisie, c'est l'argument qui est plus puissant que nous sommes capables de bailler en faveur du christianisme. Et c'est peut-être ça, apôtre Paul, il t'a parlé que dans Éphésiens chapitre. Dans Colossiens chapitre 4, verset 6, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Donc, là, il dit accompagnée de grâce, c'est amabilité, c'est gentillesse, c'est courtoisie, pour que parole soit en point de respect. Parce que vous connaissez. Je m'en dis, non, ben, qui est fort. Surtout. Je dis à respect fait défaut en pile avec la jeunesse. Faut qu'on ait des vocables ou pas qu'à utiliser avec un personnage. Exemple, un monde qui t'a âgé. L'état a mangé. Et puis, on t'a. Parce qu'on façon capable de dire. Et. Quand on dit qu'on fait manger, qui est spécial. Et puis, personnage là, on prend personnage là, papa, ou beau-père, moi, ça va même t'a rentré. Et puis le terrain, même en général, il a dit, oh, gadon, manger, mais je me sens de manger, ça me t'a mangé. Et puis, en supposé que m'a dit, belle même par exemple, ça va priver, non, m'a dit, oh, quoi, manger, m'a la envie manger, hein, manger, m'a ouais, là. Vous connaissez ça? L'équipe, belle même, il doit comprendre que par rapport à l'habitude, nous, il doit dire, bon, allez, je m'abuse, mais quand même! Ils sont manque de respect. Font que le monde parle avant de manger le dolda, mais manger. Et puis, pour, en tant que je me prends pour l'âge, et puis, me dit, oh, ouais. Et pourtant, à 11 jeunes, nous sommes monde qui pipiti passe, ils doivent être très plaisants. Ouais, donc, c'est subtilité, ça de gagner. Faut nous faire la part des choses. Il y a des plaisirs qui me font faire au monde pour l'âge, je dis, parce que le monde était grand monde. On va regarder le petit grand monde là, et puis là, il tombe et réfléchit, et puis il dit, monsieur, regardez là, l'âge, moi, est là. Tout le monde a parlé n'importe quoi avec. Et puis, sortant de là, le déranger, le bouleverser l'existence. Bon, alors, en tout cas, moi, je vis avec grand monde en pile. Je vis avec grand mère, moi. Mais qu'on est toute subtilité de gain dans la vie, grand monde. Et puis, toujours, des amis, grand monde, tout personnage, cheveux blancs nets. On a des amis, moi, nous toujours, même après, jouer avec moi.
Donc c'est que je veux dire que me connais ça veut dire craser les têtes bien dans ça. Yo il doit faire jeta avec moi, il y a fait jeta avec moi même m'éviter comme si m'ennuie avec grand monde. Pour qui ça parce que pour bien des paroles au pas grand monde, c'est ça ça veut dire. Donc on pas nuit grand monde, on fait jeta grand monde. Parce que personnage, allez ton personnage, gain des plaisantes, on doit le faire avec lui et puis il pas content. Et puis comprenez bien, ou pas qu'à parler n'importe comment avec un monde qui pas en erreur. Donc, caractère en joyeux, il est important, mais il faut nous veiller tout pour ne pas venir dépasser. Donc, il faut que nous vraiment prier pour nous capables de jouer un équilibre que nous souhaitons. Mais en tout cas, il fait qu'on est là un chrétien aimable et courtois. Et l'argument le plus puissant qui puisse être fourni en faveur du christianisme. Ou pas qu'un chrétien, et puis, ou quelque soit sa cap faite, ou en état intéressé, mon ap fiancé, mon ap mari, ou pas fanken plan pour bagay sa, ou funérailles, ou balade, ou pas non, c'est seulement aller l'église. Non. La courtoisie chrétienne, demande ça tout, parce que faut que nous baye mon attention. Ou pas j'aime bien temps, mais faut baye mon temps. Ou pas même bouleversé, baye bien temps, mais des fois, c'est important parce que l'aspect social, ça faut nous développer. Relations humaines. De bonnes relations avec nous. Parce que leur développer ça, ils permettent de venir gagner un comportement qui est gagnant. Un comportement qui est gagnant, qui est capable de faire qu'une attitude gagnante, qu'il faut capable de gagner le monde pour Jésus. Pour l'autre citation, l'esprit de prophétie, baguette en jeune pour nous. Moron, ça le fait. Il dit que si nous-mêmes chrétiens, nous avons fait preuve de courtoisie envers les âmes, avec côté nous gagner yon moun, c'est ça nous avons gagné. Et nous avons pris exemple pour comment l'évangélisation nous a avancé en Chine. Nous avons gardé que pays côté que nous avons chance, par exemple à Haïti, nous avons fait l'évangélisation, nous avons fait effort, etc. Eh bien, nous pouvons vivre dans 500 membres. Mais la Chine vraiment a avancé. La quantité de membership nous a avancé en pile en Chine. Et je vous dis à nous avons environ. Et dans 500 mondes qui croient dans le message là. Mais une façon ça arrive fait, parce qu'on a un gouvernement chinois, il est vraiment il est rigide, parce qu'il parle de christianisme développé, il parle de religion. Quelle autre religion extérieure développée, sauf religion interne, on a bouddhisme, musulman, la religion musulmane, etc. Maintenant, comment arriver à faire évangélisation dans la zone safrère? C'est par amitié. Faire mon yo zami yo, et les moun nan fin zami yo, yo bal message la. Parce que si moun nan pas zami yo, on bal message la, rapporte la gouvernement la, di wap intimide, ils sont en derrière, c'est emprisonnement, ou al pe en pile amende, ou bal nan problème. Donc c'est d'abord l'amitié, la gentillesse, nous sommes amis, et puis les nous fin zami, nous bal message. Mais comment arriver à avancer en Chine, malgré les difficultés, malgré pas qu'il y ait un grand rassemblement, malgré pas qu'il y ait un fort missionnaire, mais le nombre de membres est augmenté par la gentillesse. Alors, vous voyez, la gentillesse est très, très forte. Pas image, pas minimiser, ils pensaient que, et nous, ben, nous, ben, là, pas de grand résultat. Les ouvriers ont pasteurisé dans notre zone. Ils sont des gens qui sont gentils. Alors, on dit bien, c'est pas que les relâchés dans le principe, non. Ils ferment ce principe pour qu'on mais en même temps, les gentils. Les courtois, la partie va appeler le monde. Appeler le monde après terre et ses vignes. Le monde qui est gentil, le monde qui est venu dans la caille. Ça, c'est clair. Des fois, le monde est gentil, au courtois, ou une bonne manière, le monde après terre est venu dans la caille. Le monde après terre est venu passer petit temps avant. Parce que présence est soufflé quelque chose que vous n'avez pas joué ailleurs. Le monde est mérite bon côté. Le monde senti bien bon côté. À ce moment-là, on a une possibilité pour capable exercer influence. Donc, comme on dit, c'est l'un des secrets pour devenir influent. Et au monde qui a en fait, en leadership, il a enseigné ça même. Relation sociale, c'est une qualité de un leader. On pas qu'un leader, c'est pas une relation sociale. Dans le sens que, on remet monde. Présence monde pas dérange, voici le mot. Parce qu'on est des monde, depuis on remet monde trop, ça dérange, il commence à brouiller monde, il pas attraper, il commence. Gen moun et puis ouais moun trop, puis commencer vinn penser que moun nan c'est n'importe qui ou ka parler n'importe comment avec. Et pourtant, gen moun qui pa ka fonctionner sans moun. Donc présence moun toujours fait au bien. Yo senti au bien avec l'autre monde. Donc en tant que chrétien, faut que nous capable cultiver ces grâces
qui est la Côte-Ouest. En fait, c'était un peu difficile pour me faire un texte en français. Et ça fait que j'ai obligé de faire recherche en anglais et en français, plus ou moins pour nous capables d'accommoder pour nous jouer un mot de besoin. Hein. Mais heureusement, 1 Pierre 3, verset 8, là, nous jouons en anglais, il fait que, et l'esprit dit non, la courtoisie, c'est une grâce de l'esprit. Donc, il fait partie de fruit de l'esprit. Hein. Même si nous n'avons pas écrit la courtoisie, mais il a. Et nous croyons que la bonté, la bienveillance, c'est les mêmes qui courtoisie ou encore la gentillesse. Nous sommes bon Dieu capable de bénir nous. Et que famille nous est capable de bénéficier de ça. Et là, ennemi, on comprend qu'avec problème la vie, il a fait une perdu, mais nous, il a fait nous dire n'importe qui parole. Alors, on peut changer vers Jésus, il dit que Jésus disait toujours la vérité, mais il la disait toujours avec amour. Il dit Jésus, pas de jambes rude. Il n'a pas jamais dit une parole sévère sans nécessité. Oh, paragraphe, ça, on partage là avec nous. Vers Jésus, il lit très, très fort. Donc, ça nous connaît que Jésus est toujours gagné, malgré la sévérité des fois qui est nécessaire, malgré des fois Jésus qu'on est obligé de blesser au monde, mais autant que faire se peut, autant que possible, il est évité de faire ça, puisque le connaît, le cœur humain est sensible au mauvais traitement, et autant que possible, il est supposé faire ça, défendre le lit, pour le capable de représenter le caractère de Dieu. Tenez bien comment Jésus, c'est qu'on parlait avec moi. Dans vers Jésus, page 7, il dit que Jésus ne retranchait rien à la vérité, mais il la disait toujours avec charité. Ses rapports avec le peuple étaient empreints d'un tact parfait, d'une exquise délicatesse. Aucune brusquerie, pas de brusquerie, pas un mot sévère sans nécessité. Jamais il ne faisait inutilement de la peine à une âme sensible. Il ne censurait pas la faiblesse humaine. Aïe, pas grave ça. Jésus faisait montre de respect. Tac, parfait. Il va les blesser, mon. Aucune bouche. Ça veut dire que Jésus connaît à chaque monde comment pour le parler. Et on l'a dit un tel, il va dire l'autre. Donc Jésus, t'es gagné ça au relais, tac. Chaque auditoire, il bon Jean pour parler avec eux. Et c'est parce que Jésus était un monde qui est gentil, qui fait l'aile des femmes samaritaines. Bon, avec qui souple Jésus dit, bon, allez, nous, qui femme qui tape dans un garçon, pour nous-mêmes, nous avons dit, Jésus a manqué d'âme dans des gars. Mais Jésus dit ça avec tellement de gentillesse. Expression visage, Jésus, son monde. Jésus vient pas tant qu'au monde, mais vient aider. Mais nos paroles là paraît dur. Elle dit, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as là n'est pas ton mari. Tu as eu raison de dire que je n'ai pas de mari. Il a dit, mais oui. C'est comme ça. Hein? Nous pas bon. Ça fait 5 déjà. Ça que nous avons là, pas pour vous. Vous avez raison pour vous, pas oui, pas bon. Non, même, bon, garantie, même aux autres, c'est Jésus qui apprend, s'il ne parle pas comme ça, dame, parce que dame n'a pas ta pompe, elle t'a senti blessé, la blessé. Allez, le bon Jésus dit, maintenant, tu as eu 5 maris, et celui que tu as n'est pas ton mari. En ce sens, tu as eu raison de dire que je n'ai pas de mari. Donc, Jésus, de façon, le dit, il n'est pas blessé. Mais il va le vérifier. Il va le vérifier. Mais il va le dire avec amour. Et ça fait nos défauts. Il faut savoir allier souplesse et rigueur. Comment le faire? Comment le faire? Allier souplesse et rigueur. Mais ça cap fort influent. L'homme mène le monde, c'est leader. L'homme conduit le monde, il faut qu'on veille sur ça. Il faut allier souplesse et rigueur. Donc, si le monde va pleuver, souplesse et rigueur. Donc, il faut qu'on ferme, mais en même temps, il faut qu'on souple. Il ne faut pas être tant qu'on son bois, il n'y a pas qu'à casser, son bois qui est dur. Non. Il faut être flexible. Parce qu'il faut bailler possibilité pour poser des questions, pour être capable de réagir, même opposer avec des points de vue. Donc, il ne faut pas paraître un monde qui est dictateur, parce que ça ne va pas être de bons résultats. Et on dit, nous, là, pas un mot sévère sans nécessité. Évitez trop de sévérité, trop d'austérité même. Éviter les mots sévères sans nécessité.
Il dit jamais Jésus ne faisait inutilement de la peine à une âme sensible. Des fois, nous faisons la peine à un monde pour grand messe. Pour grand messe. Et, mais on dit, l'être humain est vraiment fragile. Il est bien au compte, dit, en dépit de toutes tes bonnes intentions, il aurait été un bail qui est choquant. Surtout, l'on a fait avec mon qui a un problème d'estime de soi. Il doit dire une parole là, et puis il dit, monsieur, c'est parce que j'ai un problème qui fait qu'un tel capable de me parler comme ça. Vous s'entendez à là, les prendre très très mal, les choquer, les blesser, pour même humeur, les venir changer. Alors, monsieur, l'Esprit Saint capable de faire cela, pour faire nous comprendre ça que nous voulons dire exactement. Et on a fini avec le deuxième paragraphe là qui dit, quand Jésus disait la vérité, c'était toujours avec amour. Il dénonçait l'hypocrisie, l'incrédulité, l'iniquité, mais c'était avec des larmes dans la voix. Il pleura sur Jérusalem, la ville qu'il aimait. La ville qui avait refusé de le recevoir, lui le chemin, la vérité et la vie, elle avait rejeté son sauveur, mais il lui conservait néanmoins sa tendresse et sa pitié. Sa vie était faite de renoncement et de sollicitude pour autrui. Chaque âme était précieuse à ses yeux. Sans se départir jamais d'une dignité divine, il s'inclinait avec un tendre respect devant tout membre de la famille de Dieu. En tout homme, il voyait une âme déchue à sauver. Vraiment que c'est un mieux lien important hein? Pour nous capables de faire montre de respect et de courtoisie pour tout être humain. Il faut nous commencer à chaque monde une âme à sauver. Et c'est peut-être ça, il faut nous traiter tout le monde avec respect. Ça parce que c'est une créature de Dieu. Mais aussi, c'est une âme à gagner. C'est une âme à gagner. Comme moi, je dis, non, bon, si t'as, j'ai trouvé ce que je gagne, non, il y a un droit de céder au monde, il fait qu'on est que. Si nous te fais monde de courtoisie, nous te fais monde de gentillesse, que le jour que le monde gagne à la vérité, t'as bien sang qui t'as gagné dans l'église. Donc, je dis, si nous avons besoin d'une pire efficace, c'est une âme pour nous utiliser contre l'ennemi, la gentillesse. Mais attention. Attention. Nous pas en train de dire. Pour ouvrir pasteur au niveau de gentillesse qui pourrait le faire tomber dans la familiarité déplacée, c'est parce que nous sommes en train de prêcher. Le message de la réforme, c'est un message qui est solide. Et pour suivre le principe que bon Dieu baille, ou déjà un monde qui est solide. On n'a pas besoin d'ajouter rien, on n'a pas besoin d'ajouter rien là-dedans pour parler Dieu avec le monde pour dire que c'est un message de réforme notre fait. Non. Gentiment, on est capable de classer un monde cap nuon. Gentiment, on est capable de faire un monde prendre distance. Là. Gentiment ou capable d'éviter toute forme de relation déplacée, par exemple. Bon, obligé, t'as joué au monde qui t'a décidé, c'est mon geste qui est déplacé. Donc, gentiment, m'a montré mon nom que m'bavlé. Et bon, en fait, à cause de tempérament, nous, des fois, tout qui ont été, on ferme. Nous, gentil, mais nous ferme. Mais ça ne fait que, par exemple, dans le milieu côté qu'on travaille. Étudiants, yo, à plonger sur moi, des fois, ben, là, mais attention, les aucun bémé, on me dit, attention. Comme si je voulais embrasser, moi, étreindre, moi. Et ben, là, comme ça, ben, qui va le durer, on va me dire, non. Évitez fauter avec commun, comme jeune fille, ben, bagaille comme ça. Mais nous, étions gentils, étudiants, on sentit à l'aise, on parle avec moi, yo, prends pour un grand frère, yo, il est dans le téléphone, yo, il me raconte, ça a passé, yo, dans la vie sentimentale, yo, dans la vie familiale, c'est pas un problème. Bref, au ministère envers yo, mais au centre, son monde, yo, capable, ça va bon. Donc, les oreilles, nous, à l'écoute. La courtoisie aussi, les mandés pour les oreilles, yo, à monde. Et c'est une fonction, au besoin d'utiliser, apprendre tant de l'autre monde, surtout le monde qui a un problème. L'apprendre de l'autre monde, ou comprendre ça, la vie, pour avoir une réponse qui est capable de réconforter, lui, ça fait le bien. Alors, c'est une bonne manière, ça, yo. C'est grâce à nous que nous parlons, hein, et qui fait partie aussi du fruit de l'esprit. La courtoisie, les bonnes manières et la grâce sur les lèvres. Donc, un monde qui toujours a des paroles appropriées, qui ont un comportement, un visage attrayant. Monde pas peu approché parce que c'est un monde spécial. Monde toujours senti bien bon côté parce que qu'on est même sous fatigué ou pas courir d'ailleurs. Que bon Dieu bénisse nous tout à fait que nous sommes capables de développer ces manières. C'est grâce. Que seulement le Saint-Esprit est capable de mettre dans un monde. Parce que dans un monde qui a tellement de problèmes, dans un monde qui a tellement de difficultés, mais il y a un monde qui a un comportement pareil, et c'est vraiment un monde qui est béni. Parce que malgré tes problèmes, mais tu travailles toujours
au salut de tes semblables et au toujours à faire effort pour capable représenter Jésus-Christ dans l'expression même du visage tout le monde capable de voir son monde qui est spécial qui va jamais pas fait qui va jamais des problèmes malgré plein problème presque finalement mais au paraît tout le monde qui va jamais des problèmes pour qui ça parce que au bon espérance au bon joie dans cœur que rien dans monde ça pas calme que bon Dieu bénisse nous tout à chacun. Amen. Non, comme à l'accoutumée, on va chanter un cantique approprié pour que nous capables préparer nous pour nous capables de faire une prière spéciale pour grâce à capable de venir dans la vie. Après le numéro 316, mon cœur joyeux plein d'espérance. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Baigné côté avec clémence, un pauvre humain, faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. C'est vers ton ciel que dans ma course je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit la vive source me rafraîchit quand je suis là. Et dans le danger, ma ressource est dans la force de ton bras. Le jour je suis sous ta lumière, la nuit je repose en ton sein. Au matin, ton regard m'éclaire et m'ouvre ça. Si le chemin et chaque soir, ô mon bon Père, tu prépares mon lendemain. Non, vraiment des bons dieux pour le capable de nous jouer à ça. Maintenant, on voit qu'il y a un chrétien qui part en joie, qui part en jovial, qui part toujours en joie. Il est pas capable de faire face avec genre de comportement ça parce que y a un monde qui ont tempérament qui rock qui est toujours courir après monde généralement c'est un monde qui est pas content et ben d'ab fait sujet François est toujours joyeux la joie c'est un fruit de l'esprit donc au besoin et si joie ça qui parle fort ou bien courtoisie parce que nous on marche ensemble d'accord c'est expression visage là c'est attitude là qui a pas tiré monde donc au besoin prier bon Dieu pour qu'il agir transformer visage. Je ne peux pas me dire non, il y a un monde qui a un visage qui pose mon nom. Ça fait vraiment des mondes gracieux, il faut prier. Il dit dans la parabole de Jésus, le bon niveau n'a pas transformé par la grâce, même les traits du visage aussi de ranger. Parce que bon, le visage là, il y a un monde pas venu. Non, c'est aller. En marketing, et en formation, il faut qu'on ait que, exemple, mon cap travaille dans un hôtel, en marketing, ce n'est pas un mairie. En fait, au walk, au parrain, mais sourire. Et bien, au pas après, non, pourquoi vous occupez fonction ça? Parce que les gens viennent, ils ont un visage en gens. Le client doit dire, il vient là, le secrétaire a été mauvais sous lui, il n'est pas tourné là encore. Ça, c'est notre patron à vous, allez. Parce que le visage, au parfait métier. Hein. Donc, si problème, on va quitter la caillou, c'est là où on vient avec lui, donc, on disqualifie automatiquement. Donc, nous pensons que c'est la même chose pour le chrétien. Donc, il faut que nous veillons pour que la situation passe nous perdue, passe nous perdue, et grâce, mon Dieu, dans la vie, nous. Et qu'au point que nous vînons durs, nous vînons discourtois à un monde qui n'a environnement immédiat, nous. Et à ce moment-là, nous perdons une occasion pour nous faire du bien. Pas oublier que l'argument le plus puissant en faveur du christianisme, c'est un chrétien aimable et courtois. Donc, l'autre texte qui dit aimant et aimable. Aimant et aimable. Donc, l'autre côtoie, donc, là, ça, c'est surtout le monde qui vient vraiment. Mais l'autre aimant, donc, c'est surtout eux-mêmes qui vient vraiment. Aimable, c'est-à-dire, tu es quelqu'un qu'on doit aimer. Qu'on doit aimer parce que tu attires les gens à toi-même. Donc, expression, c'est intéressant. Être aimant et aimable.
Donc, tu aimes les gens et tu attires les gens à toi-même aussi et les gens t'apprécient parce que tu es aimable. Donc, nous souhaitons, bon Dieu, ben, nous tous qui l'a, en pile amabilité, elle est nous arrivée en côté, loin pour que nous capables de monde, pour monde peut approcher, mais au contraire, quand nous capables toujours de monde, et salon là, quand nous toujours occupés, pour qu'ils apportent que nous avons ma présence, nous, parce que nous faisons en pile bien avec eux. Qu'il en soit ainsi pour nous, pour famille nous, pour caille nous en général, pour que nous capables toujours son côté cap recevoir jeunes remets nous, puisque vie nous, une source de vie nous, une énergie cap sortir dans nous, qui fait bien à l'autre monde. Donc c'est désir que moi, Soya, et nous voulons prier le Seigneur pour capable aider nous, pour que nous capables de gagner la grâce et les bonnes manières. Nous attendons pour que Sœur Evan, qui fait prière ça pour nous, pour mon Dieu capable de bénir nous, pour nous capables de gagner la grâce et du Saint-Esprit dans la vie nous, pour que nous capables de développer ces bonnes manières. Allô? C'est Evan Bala? Tout le monde dormi? Ou soyez moi-même qui vous compte mes soleils? Hello? Bon, il y a un peu de hein? J'espère que tout le monde entendait. Nous, là, frère Ricardo. Nous t'en dirons. Oh, ça fait deux minutes. Hein? Bah, on dit discontinu. Oui, je vais bah, commencer à faire comment c'est fait là. Moi, t'attendais? Pour se réaliser, c'est nous t'es souvent, c'est les autres t'es fait, mais nous ne sommes pas capables de parler. Ça, oui, moi, t'es mieux. Oh, ok, ok, d'accord. Ça, oui, ok. D'accord, d'accord. Que mal, je ne sais pas si je peux te mettre sur l'ingna, oui? Oui, yeah, nous t'entendons, mais nous ne pouvons pas te parler. Non, nous là. Ok, ok. Tout la passe. D'abord, elle fait bouquet, mais pas capable. Ok. Et quand je suis allé, je me dis, oh, avant, je peux te mettre sur l'ingna. Ok, amen. Amen, c'est Evan, priez pour nous. Amen. Yes. Éternel, notre Dieu, notre Père, le grand créateur de l'univers, en Jésus-Christ, nous présenter devant le Seigneur. Nous ne même connaître qu'il engage, nous capables d'employer pour nous remercier pour ça, Seigneur, pour ça, dans la vie. Nous disons toute gloire, tout honneur, toute louange pour le Seigneur. Oh papa, chaque jour qui passait, ou mettez-nous en l'école. Oh, première fois, nous élèves, remets l'école comme ça, Seigneur. Même si c'était bon, nous devoir, nous t'a fait. Oh, béni soit ton nom à jamais. Seigneur, nous apprendre, non, mais, Sœur Ricardo, nous apprendre, non, mais, Frère Ricardo. Oh, nous dit, béni soit ton nom. T'en prie, papa, dans ton amour, dans ta grâce infinie, pardonne tout. Manque d'amabilité nous before Seigneur, pardonnez toute colère nous te qu'on fait before Seigneur,
prendre le temps pour changer la vie, nous aider nous pour nous capables bon monde, aider nous pour nous capables bon chrétien, pour nous capables vraiment vraiment pour toi, pour nous capables attirer monde dans l'œuvre à Seigneur, pour nous pas pousser au contraire, pour nous envie aller pour venir pour venir servir, pour capable dans où c'est la joie, la paix. Papa, merci. Merci pour parole ça vous voyez pour nous. N'a demande autant pour donne-nous deux portions de ton Saint-Esprit pour la vie nous capable de changer et pour nous capable de pratiquer bagay sa yo pour nous pas attendre seulement mais pour nous capable de vivre Seigneur et nous capable de vivre en ligé vivre évangéliser avec yo papa tant prie dans ton amour nous ta grâce Seigneur changer la vie nous Seigneur nous voulons pour utiliser nous dans dernière dimension tu es capable utiliser yon monde yon humain Seigneur tant pis papa nous tendez pas avoir de nous pour nous pratiquer nous nous merci pour petit tout te préparer nous nous merci pour 21 jours ça Seigneur nous pas même quand qui parole pour nous employer pour nous dire merci papa n'a mando tout message ça nous tendez permettre que trait de caractère nous capable changer permettre que vieux défaut nous Seigneur oh, nous capables de changer depuis notre cheveux, nous, jusqu'à nos orteils et pieds, nous capables de changer sous peau, nous, ni en dans cœur, nous, dans corps, nous, dans âme, nous, tout esprit, nous, tout nous-mêmes capables de changer. Nous capables de vrais chrétiens, Seigneur. Nous pas même besoin d'ouvrir bouche, nous seulement, nous va ouais, nous seulement, va ouais, le caractère Jésus reflété dans nous, Seigneur. Nous vous remercions pour couper ça, vous te mettez dans 21 ça, Seigneur, pour aider nous. Nous demandons dans ton amour, dans ta grâce infinie, dans ta bonté, dans ta miséricorde, pour protéger famille ça, avec tout petit monde, gardez-vous, prenez soin de vous, Seigneur. Oh, nous demandons vous mettez miraille autour de vous, Seigneur, même là, vous sortez dans la rue, vous va ouais, mauvais monde, pas le ouais, vous va une parole pour mauvais monde, pas de mauvaise intention de vous, Seigneur. Pour faire au mal. Papa, nous, chaque qui là, permettre que parole ça, vous capable d'entrer dans la vie, nous, à soi, même nous, capable d'y l'autre monde qui naît de nouveau. Nous réaliser chaque soir, nous naît de nouveau, Seigneur. Aidez-nous pour nous capables d'aller de l'avant, Aidez-nous, Seigneur, pour la vie, nous, capable de changer. Aidez-nous pour nous partager parole ça avec l'autre monde. Il y a des gens qui soif dehors, oui. Il y a des gens qui t'a bien aimé dans des paroles ça, tout Seigneur. Aidez-nous non seulement pour nous vivre parole là, mais pour nous partager le Seigneur avec l'autre. Nous sommes capables de parler de vous, parler et nous capables, grâce à Dieu par YouTube, nous capables de voir pour l'autre monde. Même si nous avons 10 personnes, 3 par ouvrir, nous avons l'autre 7 par ouvrir. Quand même, nous avons une parole quand même, papa. Merci Seigneur, à ce que vraiment pas une parole pour me dire. Même qu'on est, papa, vous connaissez tout ça pour nous t'a dit. Nous demandons Saint-Esprit dans la vie, nous, Seigneur. Saint-Esprit dans la vie, nous, pour transformer nous, pour pétrir nous, pour réformer nous. Papa, refait nous, remouler nous, remadriner nous. Nous capables vraiment préparer pour ton royaume, Seigneur. Si nous pas sauver, le cri de minuit pas responsable, Seigneur. Si nous pas sauver, ça c'est nous-mêmes qui connaissons le business, pas nous, avec vous. Parce que vous voyez parole pour nous. Nous tendez-vous. Aidez-nous pour nous pratiquer. Aidez-nous pour nous vivre, Seigneur. Aidez-nous pour la vie nous changer, pour nous vivre dans la famille, nous. Chaque côté nous passer dans l'église, nous, papa. Campez avec nous, s'il vous plaît, papa. Aidez-nous, nous voulons faire bon chrétien, nous voulons faire bon monde, Seigneur. S'il vous plaît, nous voulons. Chaque temps pour nous faire bien, c'est mal là, nous faire. Nous voulons tant prier, Seigneur. Transformez la vie, nous. Bon, nous, un cœur pur. Aidez-nous pour nous marcher dans la sainteté, Seigneur. Au nom de 8 béatitudes, vous dites, c'est mon qui a un cœur pur, capable, Seigneur. Aidez-nous, quelle que soit difficulté, calamité, souffrance, problème, nous sommes capables de rencontrer dans la vie, nous, Seigneur. Pour nous capables de avec cœur nous pur, pour nous faire un cimetière dans cœur nous, côté n'a pas enterré monde, Seigneur. T'en prie, papa, nettoyez la vie nous. Fais la vie nous capables d'un livre ouvert devant nous, sans tache, Seigneur. Aidez-nous pour nous capables de laver rad nous dans le sang de l'agneau chaque jour. Pour nous capables veiller sur rad nous, pas une tache, papa. Merci, oui, Seigneur. Merci, ou grand, ou bon. Ou pas gen pareil, Seigneur. Ou pas gen rival, ou pas chan gen rival. Merci, papa. Merci pour ton amour. Ou remen nous vrai, Seigneur. Ou remen nous vrai, parce que si ou pas te remen nous, pas d'abouer parole ça pour nous. Qui pour pénétrer nous. Et pé ça, Seigneur, qui est capable de fendre que nous, retirer tout ça qui n'est pas bon dans nous.
fait nous venir dans l'autre monde. Un autre monde nouveau, monde nous tailler tout à l'heure à 3h, à 6h, soit à 9h du soir ça, Seigneur, c'est pas monde ça nous. Oh merci, merci louange pour gloire, honneur, prière, trône, majesté pour Seigneur. Merci pour nous tous, ou déjà changer la vie nous. Ou déjà ben notre la vie nouveau Seigneur. Une nouvelle vie. Nous demandons autant pour aider nous pour nous capables de faire ça, pour nous marcher main dans la main. Il y en a que l'autre Seigneur pour nous marcher, pour nous rencontrer. Papa, aider nous si on a nous t'a faibli, si on a nous t'a tombé, pour nous bailler la main, pour nous camper, pour nous camper main, pour nous marcher, pour nous aller à ta rencontre. Sauvez-nous, délivrez-nous, coûte écriture, nous pardonnez péché, nous sanctifiez, nous purifiez, nous Seigneur. Nous demandons autant pour continuer à frapper votre cœur, nous. Et Seigneur, ben nous Saint-Esprit, pour nous capables de tendre et pour nous capables d'ouvrir pour entrer. Nous ne pouvons pas parce que nous sommes parfaits, Seigneur, mais nous pouvons parce que nous cherchons parfait, nous voulons parfait, tout bon, ouais, que nous, Seigneur, avec toute sincérité, nous. Nous prions, Seigneur, nous cherchons avec toute sincérité, nous. Écoutez, Christ, nous sauvez, nous délivrez, nous prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, amen. 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 Gloire à toi, Seigneur. Nous remettons Ignace et Elisabeth. Non, point monta qui ca campé devant puissance, mon Dieu. J'aimerais te ferme et que pas bouleversé. Ouais, quand on est route, la pas facile. Épreuve difficile. Non, point montagne, bon Dieu, pas gagné la cité. Eh bien, femme avec nous, nous déjà connaissons ça pour nous faire. Mettez-vous à part, ensemble avec vous à part. Levez-moi à l'air. On nous dit ensemble, mon âme, bénis bénis Sœur Josiane, levez-moi, nous pas vle, amen. Amen. Nous pas vle quitter ça, nous pas bon la parole. Bonsoir, Sœur Elisabeth. Bonsoir, femme avec Seigneur qui prie là. Non, moi t'ai levé mais le Sœur Ricard demandait est-ce que pas grand monde qui t'entendait. Moi t'ai levé main pour me faire celle qu'on est grand monde qui nous t'entendait. Exactement, tout ça qui t'ai levé main. Okay. Ok, merci. Bonne nuit à l'autre. D'accord. Merci, sœur. Moi, d'accord. Bonjour avec vous. Bien, frère, avec sœur, monsieur. Là, nous mettez fin. Rejoignez-nous encore à 11h45 au minuit pour dernière. Prions-nous. Nous paraît en pile jour devant nous. Nous paraît en pile jour devant nous encore. Ok. Nous va arrêter un pile jour devant nous encore. Nous presque fini à 21. On a continué à prier pour Sœur Frisline et Sœur Florence qui dans 3 jours d'Esther. Donc, Kembe, on a prié nous. Que bon Dieu bénisse nous. On a retourné à 11h45. Pas oublier préparation sabbat nous. Pas oublier préparation sabbat nous. Et on a prétendu prier à 11h45 là. On pensait que gen bagay que nous capables de faire qui pour aider nous. De quoi vendredi, si Dieu veut, nous pas gagner un pile bail pour nous faire. Que bon Dieu bénisse. Bye bye. Amen. Amen. Amen.